Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un problème de plus en plus important qui fait beaucoup de dégâts et dont je pense qu'il est important de parler Alors il s'agit de quoi euh, comment je pourrais expliquer ça d'une manière courte En fait, il y a beaucoup de frères qui ont connu l'islam, et qui sont revenus à l'islam, ou qui se sont convertis, au contact d'un mouvement. Les frères musulmans, Tariq Ramadan, le mouvement de la salafia contemporaine, etc. etc. Et donc ils sont rentrés dans un canevas fermé, c'est-à-dire euh, une pensée sectaire, euh, et ils en sont sortis suite à des, des illusions, à des trahisons, à des mensonges. Ils en sont sortis. Alhamdoulilah, c'est un bien. Mais le problème maintenant qui arrive, je remarque que c'est très répétitif, c'est que cette, ce choc, ce, ce rejet vécu suite à cet endoctrinement ou, ou, cette, ou ce cloisonnement dans une secte, fait que on est ouvert à tout. Et on juge tout sur un pied d'égalité et on autorise un peu tout et n'importe quoi. Et à nouveau, moi j'appelle les frères d'abord à débattre avec sagesse, euh, à comprendre que chacun a sa façon de formuler ses déceptions, ces dénonciations, etc. Moi-même, j'ai longtemps été, il y a quelques années, euh, très, sans doute, trop tranchant sur certaines questions. J'essaye de l'être moins, mais 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 il faut faire attention de pas être dans le relativisme, l'égalitarisme et, et, et d'un moment donné cacher la forêt avec son doigt. Euh, il est indéniable qu'à notre époque, pour plein de raisons que vous pouvez tous comprendre, peur des autorités, peur de la prison, peur des expulsions. Euh, volonté de vivre, vous savez, on doit tous payer des factures, on a tous des épreuves, des, 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 des problèmes financiers, surtout nous les musulmans, pour des raisons évidentes que je ne vais pas élaborer ici, difficultés de l'emploi, etc., etc. Et donc évidemment, c'est très tentant d'utiliser euh, les gens qui vous suivent, qui vous écoutent, à des fins financières. Euh, en, laissant, en, en faisant ce qu'on appelle une étude de marché. Je, voilà, voilà où je veux en venir. Il faut comprendre, il y a les musulmans qui disent ce qu'ils ont à dire en étant soucieux que c'est le plus proche possible de ce que Allah et son messager voudraient qu'ils disent. C'est des gens qui essayent de dire la vérité sans exagérer, sans tomber dans l'émotionnalité, sans exciter les gens euh, sans raison. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui résonnent par études de marché. Et je vais vous expliquer comment ils en arrivent à ça. Quand vous êtes depuis de nombreuses années dans la prédication et que vous allez de conférence en conférence, enfin à l'époque, dans les années 90, début 2000, maintenant c'est de moins en moins, vous vous donnez beaucoup de vous-même, il faut comprendre. Vous voyagez, vous êtes loin de votre famille. Vous faites face à des gens qui n'ont pas toujours un niveau intellectuel très élevé, vous répondez à des questions bébêtes. Euh, vous voyez, en fait, euh, à un moment donné, vous arrivez à un stade, parce que là, l'humain n'est pas un ange, l'humain est humain, et vous arrivez à un stade où vous êtes un peu déçu, ou un peu. Euh, comment je vais dire. Euh, euh, oui, on va dire déçu, c'est le bon mot, par la communauté musulmane, pour plein de raisons, et vous en venez à dire bon, moi, je n'ai pas fait tous ces sacrifices. Euh, prêcher, voyager, consacrer des heures, parfois mettre ma famille euh, de côté, peut-être j'ai subi un divorce parce que j'étais pas assez présent, etc. Pour au final me retrouver avec des gens ingrats, incultes, qui n'écoutent pas vraiment ce que je dis. Euh, la preuve, quand j'ai terminé une présentation d'une heure, bien, les gens me posent des questions qui montrent qu'ils n'ont rien écouté, etc. C'est des réflexions que j'ai déjà entendues de, de frères qui prêchent, etc. Et donc évidemment, l'effet pervers de cette affaire, ça peut être quoi Parce que vous savez que Shaitan ne nous lâche pas et il sait bien comment nous attaquer sur divers euh, divers côtés. L'effet pervers, c'est euh, qu'on se dit à un moment donné bon, maintenant moi, euh, je vais un petit peu faire euh, comment je vais dire, je vais un peu <coughs> pardon, je vais un peu tirer des bénéfices personnels de cette affaire. Et donc. Vous faites une étude de marché. Et si vous faites une étude de marché avec la communauté musulmane actuelle, vous allez évidemment vous rendre compte que beaucoup de gens, pour des raisons psychologiques, ne veulent pas être exclus de la communauté musulmane parce que mes parents sont musulmans, parce que je crois en Dieu, parce que... Euh j'ai pas envie de me sentir athée ou agnostique ou, ou dans le doute. Donc, je veux être labellisé musulman, musulmane. Mais je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra me faire sentir bien dans ma peau. Et moi, je suis une musulmane ou je suis un musulman qui veut pouvoir vivre comme un poisson dans l'eau dans la société française, qui veut ne pas subir le moindre désagrément pour ma religion. Qui veut éviter que ses enfants se radicalisent au contact d'un islam trop littéraliste, trop figé, trop dur, etc., etc. Et donc, et donc, je suis prêt à tout pour pouvoir avoir un prêcheur, un, un représentant religieux qui est en phase avec mes attentes. Vous voyez, avant, quand on lit les récits des anciens, les gens allaient vers la science en faisant des sacrifices. Ils partaient loin de chez eux, des familles confiaient leurs enfants euh, jeunes pour qu'ils soient formés auprès d'un cher. Euh, on écoutait euh, silencieusement, etc. Alors, je ne dis pas... Bon, vous me connaissez, hein, je ne suis pas un adepte de la dictature et, 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 et de l'interdiction de penser, de réfléchir et de questionner. Mais ici, on n'est pas dans ça. Ici, on est dans, en fait, tout à fait l'inverse. C'est-à-dire... Si tu veux mon temps, si tu veux mon argent, si tu veux mes likes, si tu veux que je m'abonne, si tu veux que je partage tes vidéos, eh bien, parle de ça, 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 et ne parle pas de ça, 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 ça. Parce que sinon, moi je me retire. Et donc, quand vous avez des, quand vous avez des objectifs lucratifs, par exemple, ce qui est ce qui n'est pas mon cas, parce que bon, si c'était mon cas, vous vous rendez bien compte. Vous vous rendez compte depuis toutes ces années que je suis éloquent, que, que, que voilà, je suis audible pour les musulmans, les non-musulmans, etc., etc. Je pourrais faire des vidéos avec un monteur qui serait un frère que, que je payerais quelques dizaines d'euros par vidéo. Euh, je ferais des présentations pour pouvoir monétiser la vidéo sur YouTube. Et comme je serais beaucoup plus large public, j'aurais, je ne sais pas, 30, 40, 50 euros par vidéo. Tu en fais une par jour, tu te retrouves avec un salaire de 1500 euros par mois. Et euh, j'aurai 100 000 abonnés, etc. C est, c est, vous savez, euh, parfois on est tenté. Hein. Moi, j'ai souvent été tenté de faire des chaînes secondaires dans lesquelles je fais tout autre chose. Euh, parce que je vois bien, quel que soit le sujet dont je parle, euh, donc tout ce qui m'intéresse, hein, l'affaire Grégory, euh, euh, le basket américain, euh, euh, l'American Bully pour les chiens, etc. Euh, à chaque fois que je rentre dans un sujet, où chaque fois que j'ouvre un compte et que j'interagis avec les gens sur ces sujets-là, je rassemble. Je suis, je suis présent dans des forums sur l'affaire Gaori. Il euh, y a plein de gens sur mes posts. Euh, J'ai un compte Facebook euh, réservé à l'activité des chiens. J'ai 2000 amis. Il y a plein d'interactions 200, 300, 400 j'aime. Donc en fait, il y a des gens qui ont la faculté de rassembler. Donc si on a des visées malsaines, c'est facile quand on a des, des ficelles. Quand on sait parler, quand on sait manipuler, quand on sait faire des montages, quand on sait ce qu'il faut dire ou ne pas dire, euh, ce qui est mon grand défaut à moi d'ailleurs, ce qui m'empêche d'être plus important que je ne le suis, mais personnellement, je, je, je m'interdis en fait, je m'interdis d'être dans le, le consensus mou, parce qu'il y a déjà assez de gens là-dedans. Bref, fermons la parenthèse. Et donc, je reviens à ce que je disais. Quand vous avez euh, des visées commerciales, parce que vous voulez en vivre, parce que votre femme en a marre, vous consacrez tout ce temps à la dawa sans ramener d'argent, euh, c'est comme ça. Euh, la vie, il faut être pragmatique. Hein, euh, les écoles privées musulmanes, ça se paye. La nourriture bio, ça se paye. Vivre à la campagne, ça se paye. Euh, avoir une voiture pour se déplacer, ça se paye. En taxes, en pétrole et en, et en prix d'achat, etc., etc. Les voyages pour voir la famille au bled, ça se paye. Les cadeaux, ça se, ça se paye et envoyer de l'argent pour financer l'opération du petit cousin ou de la grande tante, ça se paye. Donc, il faut de l'argent. Et donc, quand on fait une étude de marché, eh bien, on, on réalise ce que je viens de vous expliquer. Les gens veulent des prédicateurs qui les font sentir bien dans leur peau, qui les confortent dans leur situation, que malgré qu'ils ont X nombre de désobéissances, ce sont des musulmans, et que c'est pas grave, etc., etc. Et ceci vous explique... Là, je m'adresse aux gens qui, ont, qui sont en état de choc par rapport à leur passé dans l'appartenance à un mouvement sectaire. Ceci vous explique pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention à un moment donné à dire oui, je refuse la dictature, je refuse de confier mon, mon âme et mon sort dans l'au-delà à, à tel et tel cher, ne sachant pas si c'est quelqu'un d'honnête, de fiable, alors que c'est un humain qui, qui est soumis à ses passions, qui a des faiblesses, etc. Mais d'un autre côté, est-ce que je suis prêt à tolérer qu'un prédicateur X soit suivi par X milliers de gens sans mettre en garde sur ses excès, ses dérives et sa dangerosité Dangerosité dans tous les sens. Dans le sens violent, dans le sens caricatural, dans le sens commercial, dans le sens laxisme, dans plein de sens. Et donc, nous tous, musulmans, on doit faire l'effort à un moment donné de dire, oui, je suis contre les traîtres, les hypocrites, les, les savants du palais, les, 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 les vendus, euh, tout ce que vous voulez, mais je suis aussi contre les gens qui bradent la religion, et qui la dénaturent et qui proposent en fait un islamo-christianisme ou un islamo-bouddhisme afin de ratisser l'argent. L'islam est venu euh, parachever le monothéisme. Pour le corriger de ses dérives et de ses innovations. Idem pour la venue de Isa. Il est venu chez les Juifs pour les corriger, pour corriger tous les mouvements sectaires qui étaient devenus euh, la norme. Les zélotes, les pharisiens, les machins, etc. Chacun suivant sa tendance, chacun qui prenait une partie du livre. Et donc il faut bien se, se comprendre ça. Euh, euh, comment je veux dire. Et dans, un, et dans une vision plus large, il faut aussi comprendre, là je m'adresse aux gens très pacifiques, très soufis, euh, très tolérants, excessivement tolérants, il faut aussi comprendre que à, de, à plusieurs reprises, dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, on remarque, je m'excuse, il faut le dire aussi, on remarque que... Le créateur des cieux et de l'univers n'est pas que miséricorde et pardon. Il est parfois dur, très très dur. Rappelez-vous l'épisode du, 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 du Fils de Noé. Rappelez-vous l'épisode de l'enterrement d'Abu Talib. Euh, et rappelez-vous ce qu'Allah en dit quand il s'adresse à Noé et, et au prophète. Sal il faut. faut Rappelez-vous l'épisode de Sodome et Gomorrhe de la femme de Lot. Il faut bien comprendre. C'est euh, pas comment dire. Dieu est miséricorde, Dieu est pardon, mais nous devons tous craindre fortement sa colère. Nous avons, nous devons avoir peur qu'il nous déclare la guerre, la guerre dans nos vies parce qu'on a fait tel ou tel acte qu'on a légitimé tel ou tel acte, qu'on a validé telle ou telle parole, ou qu'on a eu telle ou telle faiblesse. C'est un équilibre très difficile. Et j'oubliais, ça me revient à l'esprit, rappelez-vous aussi l'épisode de ce qui s'est passé quand Moussa et Salam, Moïse, est descendu de, ses, de sa retraite des 40 jours en montagne. Qu'est-ce qui s'est passé avec son frère Harun et, 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 et ceux qui avaient adoré le veau d'or Donc on, on, comprend, on comprend bien que... Quand on parle de monothéisme et quand on parle de monothéisme complet, on a affaire parfois à un Créateur extrêmement sévère, extrêmement dur. Ce n'est pas qu'une affaire de miséricorde. Et donc nous, ne sachant pas si on mérite son pardon, si on est un hypocrite, si on a été trop loin, si on est classé dans les gens à, à, à punir, on doit faire, on doit avoir peur. Et cette peur, elle doit se manifester par, <coughs> pardon, elle doit se manifester par une certaine retenue dans nos validations et dans nos rejets. C'est-à-dire que, voilà, moi, historiquement, je n'aime pas, euh, je veux dire, l'islam trop littéraliste, trop, trop puritain, trop, euh, je sais pas comment on peut dire, moi, oui, on peut dire euh, du mouvement Salafi, tout le monde le sait. Mais, 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 avec les années, avec le, une vision plus large, une expérience plus large, je fais la part des choses. Je dis attention, il y a certains rappels qui sont importants, il y a certaines erreurs qui sont graves. Euh, mais le problème, c'est que les erreurs et les, et les choses importantes, on les retrouve dans plusieurs groupes. Chaque groupe met des choses importantes en valeur et commet de graves erreurs. Et donc, on est obligé, si on craint Allah et si on ne veut pas s'égarer, de faire la part des choses. C'est un grand travail, très difficile, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est tellement facile qu'on soit du mouvement djihadiste, qu'on soit du mouvement salafi, qu'on soit du mouvement soufi, frère musulman, euh, tout ce que vous voulez. C'est tellement facile, et je vous mets en garde contre ça, de se mettre en pilote automatique. Voilà, j'ai trouvé une assemblée de frères réconfortants. Ils pensent plus ou moins comme moi. Ok, voilà. Il y a un imam, il y a un cher truc. Je me mets en pilote automatique. Je m'assois. Je ne réfléchis plus. J'écoute et je dis Amen à tout. Et quand je dis quelque chose, si on me, on, on me regarde de travers, je dis euh, Smahli, euh, oui, pardon. Attention à ça. C'est très tentant. Parce que l'humain est fainéant. L'humain n'aime pas. Je, je, et je m'adresse à tout le monde. Hein, je ne veux pas citer des noms. Je m'adresse à tout le monde quand je dis ça. L'humain n'aime pas ne pas être en phase, n'aime pas ne pas être en phase avec son environnement. Combien de frères que je connais, toutes tendances confondues, se censurent, se brident, n'osent pas dire, retirent des tweets, retirent des posts Facebook, parce que leur entourage leur a fait une remarque. Combien Les gens n'aiment pas sentir que les gens qui leur ressemblent, leurs tendances, les, désa les, 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 les désavouent sur un point. Alors que peut-être, ils ont raison, ils ont des arguments, mais il y, a la, il y a le poids du groupe, il y a la pression sociale du groupe. Et ça, c'est très difficile pour un être humain de résister. Parce que les gens n'aiment pas avoir la sensation d'être isolés. Et malheureusement, les groupes fonctionnent souvent par totalitarisme. Voilà, si on est de telle tendance, eh bien, tel ancien ou tel savant, tu peux rien prendre de lui. Tout est mauvais. Lui, ah non, 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 il a des il a des, des effluves, il a des traces d'acharisme, poubelle. Ah non, non, lui, lui, il m'a l'air beaucoup trop de tendance wahhabite. Tout est mauvais, poubelle. Si tu en parles, tu ne fais plus partie du groupe. C'est n'est pas la voie à suivre pour moi. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je suis pour l'ouverture, l'ouverture critique, la dénonciation des excès et le respect de, de toute personne qui cherche, qui amène des preuves, qui est dans une démarche sincère. Mais euh, je vous dis, il y a tout un équilibre. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile parce que parce que euh, on dit qui je suis, je ne suis rien, euh, des savantes, déjà pensé à ma place, euh, euh, je vais quand même pas oser dire ceci ou dire cela. Euh. Et personne ne l'a dit avant moi, euh, qui suis-je Il y a des gens beaucoup dans la diminution d'eux-mêmes. C'est bien la modestie, mais ça ne doit pas devenir une espèce de, de paravent pour vous cacher. Et de l'autre côté, il y a des gens, non, les savants n'ont rien compris et tous les hadiths sont faux. Ah, voilà. Attention aux excès, mes frères. Dans tous les sens. Dans le laxisme, dans la dureté, dans la violence, dans la, dans la tolérance envers l'inacceptable. Attention. Attention au laxisme dans tous les sens. Attention à vouloir faire partie d'un groupe sans jamais pouvoir dire un mot de travers. Je ne veux pas donner des exemples parce que des gens vont se sentir visés. Et je ne veux, veux pas désigner des gens. Je préfère rester dans des, dans des exemples larges et à chacun de réfléchir. Mais réfléchissez bien. Est-ce que quelle que soit votre tendance, votre âge, Convertis, maghrébins, arabes, africains, est-ce que des fois vous ne vous êtes pas interdit de dire quelque chose dont vous étiez convaincu de, de, Combien de fois des gens y mettent un cœur, par exemple, sur une citation, sur un audio, etc. Moi j'ai observé ça. Et après, ils le retirent ou ils effacent leurs commentaires. Ça c'est pourquoi ils ont reçu une réprimande de quelqu'un de leur entourage qui a dit Hé eh, Harry, arrête de mettre un j'aime sur cet innovateur il y a des gens qui vont ils vont l'écouter. Oui, d'accord, ce qu'il a dit est pas mal, mais tout ce qu'il dit d'autre, c'est dégueulasse. Et les gens retirent. Ils ont peur. C'est très, très délicat. Voilà, je voulais juste faire ce petit rappel, 20 minutes, euh, parce que c'est nécessaire et c'est quelque chose maintenant de très, euh, de très diffusé autour de nous et de, et de très présent, malheureusement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.